Yes, I love this horse. It's a very, very nice horse. I hope he wins Wednesday. Hoppar du ner slejfen på bröstan bara. Akeu, ce matin, Airport a travaillé. Est-ce que tu peux nous expliquer quel genre de travail tu as fait avec lui? Cet matin, 5 lignes droites à 1000 mètres. Et travaillé très très bien. Sur quel rythme tu as fait ces lignes droites? Une 18. Est-ce que c'est un travail, c'est un dernier travail poussé pour toi ou c'est juste de l'entretien? Non, cet matin, un travail tranquille. Et est-ce que pour toi, le cheval est à 100% pour la course de mercredi? Ça, c'est sûr, 100%. Parce que Louis est une grande forme. Éric Raffin, la dernière fois, était très content de la performance de son cheval. Et toi? Moi aussi. Un camp mercredi, première fois, déféré postérieur. Il te l'a conseillé, on l'a entendu quand il est descendu de cheval la dernière fois. Est-ce que tu penses que ça peut faire la différence? Louis, maintenant, beaucoup mieux, actuellement. Est-ce que corde à droite, c'est un problème pour Airport? Non, parce que Louis gagnait deux fois avec moi. Et les Mont-Saint-Michel, pas de problème, corde à gauche. Corde à droite, pardon. Est-ce qu'on a des grosses ambitions alors pour mercredi? Est-ce qu'il peut gagner? J'espère gagner, oui. J'espère. Tu as regardé l'opposition? Et le cheval Anthony Dolion aussi. Pour moi, très bien. Les autres, comme ci, comme ça. Si j'ai Éric Raffin au téléphone, est-ce que je lui dis qu'il va gagner mercredi? Je ne sais pas. Et vous, qu'est-ce que vous allez lui dire? Quels vont être les ordres? Hein? Les ordres. What you say to him when he will ride your horse? Cette fois, couru derrière. Non à tête. Parce que deux fois maintenant, à Vincennes, à tête, et un cheval derrière, beauf, derrière 50 mètres. Pour moi, Louis, c'est mieux derrière. Ce matin, tu as travaillé donc deux autres chevaux avec. Il y avait Amour de Retz. Est-ce que ça va être compliqué pour lui? Oui, mais cette course, Louis gagnait 65 000 et pas de course. Seul groupe. Pour ça, Louis courut à Caen. Mais c'est Louis 6e, 7e, moi beaucoup contente. Est-ce que c'est un cheval qui te déçoit? Parce qu'en début de carrière, il avait montré de la qualité. Oui. Non, mais après, un problème à Doubs, pour la Doubs. Louis veut un vétérinaire, mais maintenant, c'est bien. Donc, pas mieux que 6e ou 7e mercredi, tu penses qu'il ne peut pas être 3e? Ah, moi, c'est mieux 3e. Si Louis 3e, moi, beaucoup, beaucoup contente. Brooklyn, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une course de rentrée? Oh, ma dernière, Louis courut dernière fois en février. Et la course mercredi, seul une préparée. Tranquille. Alors, qu'est-ce que tu prépares? Quelle course? Which race after? Je ne sais pas. Une course normale. Mais Vincent, peut-être. Il a des bons engagements après?
Oui. Deux, trois semaines après, course Vincennes. Est-ce que c'est l'un de tes meilleurs B? Moi, Bernador. Il s'appelle Bernador. Lui, très, très bien. Et Buckington aussi. Après, Blue Island, Bianca. Oh, c'est bien. Et lui, il vaut cela. Il est juste en dessous de cela. He's just down of this horse. Qui? Brooklyn. Yes. Est-ce que dans cette écurie, il y a un cheval qui va gagner ses prochains jours? Peut-être vendredi à Vincennes, j'appelle Blue Island. Au mercredi, Airport. Yeah.